Star de Benedetta, dernier film de Paul Verhoeven lors de son passage à Cannes. C'est cette fois-ci en tant que jury que Virginie Efira s'est rendue à la Mostra de Venise. Sur le tapis rouge comme lors de soirées privées, la star franco-belge s'est apprêtée de manière très séduisante. Décryptage de ses looks glamour. Pour la cérémonie d'ouverture de cette 78e édition du festival, Virginie Efira s'est tournée vers une de ses marques fétiches, Dior. Toute de blanc vêtue, l'actrice coiffée d'un chignon était magnifique dans une robe longue très ajustée. En effet, cette pièce en crêpe de soie était particulièrement sexy sur Virginie Efira avec un dos nu lacé et une fente large sur le devant qui dévoilait la cuisse. Une véritable déesse grecque sortie de l'Olympe. Pour une personnalité comme Virginie Efira, ce genre de festival est ponctué de nombreuses soirées et autres événements privés. C'était le cas d'un dîner organisé par la marque Saint-Laurent. Comparé à son look sur le tapis rouge, la franco-belge joue le yin et le yang. En effet, l'actrice a opté pour une robe de couleur noire à l'opposé de sa robe de jour. Un choix sexy puisque ce vêtement long aux épaules dénudées était ajouré au niveau du décolleté. Un look audacieux totalement validé par Voici. Et vous, préférez-vous le look de jour ou de nuit de Virginie Efira ?